Donc, en fait, on va mettre donc une équipe qui partira du bas là, dans le virage. Dans l'entrée en dans voilà. La zone industrielle. Une équipe. Non, enfin, c'est pas une zone industrielle là, mais il y a une menuiserie à cet endroit-là. Damien Nord, quoi. T'es de où, Fred, toi? Moi, je suis Damien. En fait, j'habite Amiens, c'est chez moi. J'y suis bien, j'ai presque un rapport biologique en fait avec cette ville. En fait, pour être tout à fait franc, ben, je viens de plus loin, je viens d'un tirage profond. Hein, tu sais, la tirage, c'est l'endroit où il y a des vaches, des alcooliques, du Front National. En fait, quand j'étais petit, je pleurais pas. Ça énervait ma mère. Je pense pas que j'arriverais à le mettre ici. Si bien que je posais plein de questions sans arrêt. Qui, quand, comment, où, avec qui, et surtout une question qui revenait sans arrêt, pourquoi? Alors je demandais pourquoi, et ma mère me répondait, parce que. Mais pourquoi parce que? Parce que, parce que. Mais pourquoi parce que, parce que? Généralement, ça se terminait par une baffe. Merci de jouer au 73. Ah. Chez mes grands-parents, à la ferme, il n'y avait pas de toilettes. Il n'y avait que des pots de chambre dans la véranda, en face du tas de fumier. Et il n'y avait pas de papier toilette non plus, il y avait des journaux. Et tous ces journaux, je voyais les titres, je voyais les photos, je voyais les articles. Et je me suis mis à lire comme ça les articles. Et quand je suis sorti, mon grand-père m'a dit, mais qu'est-ce que tu as lu? Et je répondais comme ça, eh bien le marché commun a décidé qu'on allait mettre des quotas laitiers. Et c'est quoi les quotas laitiers? Et je commençais à expliquer ce que j'avais lu. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à la politique. C'est pour rappeler à ne plus voter pour le PS. Bah oui, parce qu'ils nous ont tellement trahis et retrahis et retrahis les travailleurs surtout. Quand je suis arrivé au collège, ben, j'avais pas beaucoup d'amis. Il y en avait un surtout qui me bousculait sans arrêt, qui m'envoyait voler dans les cartables. Il s'appelait Marc-Emmanuel. Et ben Marc-Emmanuel, à la fête des boutons d'or, cette année-là, il s'est pendu à la poutre de sa grange. Tandis qu'il se balançait comme ça dans le vide, il y avait ces deux chiens bergers allemands qui aboyaient en dessous. Un jour, eh bien, j'arrive à la fac comme ça, et j'allais prendre ma chambre étudiant, et je vois mes parents qui se retournent dans la file d'attente à la chambre, à la CTU. Qu'est-ce qu'il y a comme étranger ici? Je me suis senti chez moi. Je sais que j'étais parmi les miens, et j'y suis resté.